bien, donc vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Vous allez les dérouler légèrement. Et vous allez les mettre ensemble. Donc vous pouvez soit les faire par un, soit les mettre ensemble. Moi je préfère les mettre ensemble parce que de 1 ça va plus vite. Et de 2 les couleurs sont mieux réparties. Donc vous allez les enrouler autour d'un objet. Donc moi j'ai choisi une gomme. Donc plus l'objet est grand, plus votre pompon sera grand. Donc j'ai choisi de faire 10 tours. Parce que ça me semblait bien. Donc après vous allez couper. Et vous allez prendre un fil de la couleur de votre choix. Et donc vous allez enlever les autres fils de la gomme. Et vous allez faire un nœud au milieu des fils. Donc laissez de la longueur pour pouvoir l'attacher par la suite. Donc j'ai préféré faire un double nœud pour éviter que les fils ne s'en aillent. Et donc vous allez couper les extrémités. Et donc on va s'attaquer à la tête du pompon. Donc pour cela vous allez prendre un fil blanc. Donc faut mieux prendre plus long parce que pour les nœuds c'est un petit peu galère sinon. Donc vous allez faire un nœud. Donc comme sur l'écran. Donc hors caméra j'ai rajouté un deuxième fil pour que ce soit plus solide tout simplement. Donc n'hésitez pas à bien serrer le nœud. C'est un peu fragile sinon. Voilà, donc vous coupez l'excédent. Donc faites attention quand même à ne pas couper le nœud. Et donc vous allez faire un nœud avec les fils qui restaient de tout à l'heure. Et donc vous allez l'accrocher au bout du trombone. Donc vous allez couper l'excédent de fil. Et c'est déjà terminé. Donc voilà, j'aime beaucoup cette décoration, je trouve ça très sympa. Donc cette vidéo est terminée, si elle t'a plu n'hésitez pas à la liker, à t'abonner, à la partager et à la commenter, ça ferait vraiment très très plaisir. Et sinon si t'as rien à faire tu peux quand même regarder mes autres vidéos, donc je t'en propose deux là. Donc portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.